On est ici dans le cadre de la COP territoriale, donc de la rédaction du plan climat air énergie territoriale, donc qui doit être rédigé et voté à la fin de l'année par la métropole. Et donc c'était un atelier qui était à destination des étudiants pour justement co-construire avec eux ce plan climat et tenir compte de leurs remarques, de leurs propositions dans ce sujet-là. On va solliciter beaucoup vos cerveaux et je reviendrai plus tard sur la nature exacte des travaux qu'on va faire ce matin ensemble. Enfin, surtout vous, moi je vais vous écouter, je suis là pour vous écouter, pas pour vous orienter. C'est vous qui allez m'orienter plutôt. Ce qui est très intéressant ce matin, c'est de pouvoir rencontrer les étudiants, discuter avec eux et de constater finalement qu'ils sont déjà fins connaisseurs des différentes problématiques du territoire, qui sont très intéressés par le sujet évidemment, mais qui ont déjà une expertise technique. Moi, je suis là de base par pure conviction politique sur le fait qu'il faut avancer d'un point de vue environnemental, qu'il y a des choses à faire et il faut se bouger, il n'y a plus le temps d'attendre. Et ce n'est pas le moindre des défis auxquels nous sommes d'ailleurs les uns et les autres confrontés, parce qu'il faut pouvoir créer un consensus. Et même si les choses progressent, parce que la prise de conscience est importante, mais enfin, c'est aussi notre responsabilité à nous élus d'aller parfois savoir prendre des risques et faire des choix qui sont, sans être toujours les plus populaires, sont ceux qui préparent l'avenir. Et de ce point de vue-là, je sais pouvoir compter sur vous pour nous aider et nous aiguiller en ce sens. J'étais vachement intéressé à l'idée de rencontrer d'autres étudiants et étudiantes et de discuter de quels choix on peut faire pour un meilleur futur du point de vue écologique en tout cas. J'ai beaucoup aimé cette participation, cet échange avec les élus, les services et puis les citoyens, et puis plus particulièrement les jeunes. Les dialogues entre étudiants et étudiantes et à la fin avec les élus étaient super intéressants. Enfin, ça fait du bien d'avoir un endroit où se rencontrer et échanger des idées. Pour moi, la transition écologique, ce développement écologique ne doit pas se faire sans échange. Hein. C'est hyper important. De découvrir le point de vue d'autres étudiants comme moi, mais aussi d'élus qui sont aussi un peu là pour nous remettre dans la vraie vie. Parce qu'on peut avoir un petit peu un point de vue très bisounours, entre guillemets, quand on est étudiant, parce qu'on ne connaît pas toutes les contraintes. On a pu vraiment se sentir écouté. On va avoir après des perspectives qui vont nous permettre d'aller encore un peu plus loin dans cette idée de campus pour le climat. J'ai l'impression qu'ils ont aussi beaucoup appris de nous, donc c'est vraiment un échange que je trouve très intéressant.